Aujourd'hui, on part au chalet. Alex, il recevoir des messages. Je sais où est ton chalet. Soit c'est quelqu'un ici, soit c'est vraiment flippant. Oh shit. Tu fais une joke là, je vais j'arrive pas me lever longtemps. Je viens de recevoir le message à l'instant. C'est moi ça, c'est moi. Je suis sur la photo. Oh my god. Il y a quelqu'un qui nous observe. C'est nous. J'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on part au chalet. C'est un peu notre rituel avec le squad. À peu près 2 fois par an on part au chalet l'été et l'hiver. Ça nous permet de faire un peu un break avec la ville. Genre on est tout le temps au centre-ville downtown et tout. On renoue avec notre côté naturel. J'ai laissé mes chats à la maison. C'était horrible, j'ai genre fait un rituel de départ. En tout cas j'espère vraiment qu'ils vont pas faire un 4 parties pendant mon absence. Là ils font déjà une croquette partie. Tu penses? Petit look avec un top de chez YesStyle, il est vraiment cute, je viens de le recevoir celui-là, il est crop. J'ai un petit make-up un peu summer, et j'ai pas fait exprès, c'est parce que j'ai pris un coup de soleil sur le nez. Fait que c'est pratique, en fait tu prends des coups de soleil puis ça te fait un blush naturel. Ok, on a le téléphone d'Alex. C'est la première fois qu'on a le téléphone d'Alex, il faut qu'on le prenne. Il nous a fait tellement peur la maison hantée, on s'est pas encore rangé. Je vais vous expliquer en gros, les gars nous ont fait un prank quelques temps dans un château et c'était un prank élaboré et on a eu vraiment très très peur. Je vous mets un extrait. C'est sûr, c'est un prank. Quoi? Sortir? Une poupée sous l'oreiller. Suite à ça, on n'a jamais vraiment eu notre vengeance. Tu veux faire quoi du coup? Faut qu'on trouve une idée, Romain. Faut quand même que ce soit sweet, mais genre. Moi je veux ça moins sweet. Il faut pas que ça crée un traumatisme dans 10 ans. On repensera à ça. On habite en avec lui pendant 5 jours encore dans le même chalet. Faut pas quelque chose de méchant. Faut pas qu'il aille voir un psy après ça. Non, pas okay. Comme nous par exemple après le. Sinon on va le payer et tout, c'est chiant. On fait comment là? Faut que ça le fâche un peu. Oui, bien sûr. Bien sûr, faut que ça le fâche un peu. Vincent, viens voir. Ferme la porte. Genre, il nous a tellement pranké là. Mais toi aussi, genre, toi on va te faire de la misère. Mais me dis pas ça maintenant, sinon je vous aide même pas. T'es le roi des prankers, on a besoin de toi pour pranker Alex. On a besoin de ton expertise. Entre une échelle de pas à 10, quelle méchanceté. Gaël, je sais, Eureka, ouais. Genre, j'ai l'idée sur moi. On envoie un message en disant je te vois, je sais ce que tu fais. Je suis trop. On lui rend son téléphone et là on lui envoie juste des messages. Je sais ce que tu fais, t'es habillé comme ci, comme ça, genre comme si quelqu'un qui observait. Moi je me demande après combien de temps il va nous dire genre, gars, je reçois des messages trop bizarres. Oui. Qui envoie des messages? Je peux les envoyer. Parce que. T'es fort pour ça. Putain, moi il va capoter. Attends, mais de pire en pire le message. Je sais que t'es au chalet ce soir. Comme ça. Basic. Des trucs genre vraiment gentils au début. Ouais. Et que ça devienne de plus en plus. Oh my god. Mon Dieu. Ok, là on est vraiment sur un prank à la hauteur du château là. Écoutez, hey, oh, tu as raison, parce que sinon ça va. Ok, vas-y. Oh my god. On a notre vengeance. Prends-lui son téléphone. Cheers. À la fin du confinement. J'ai des bulles dans mes fesses. Quel genre de mec quand il est déjà. Désolé Vincent. Désolé Gabriel. On va finir sous dans le jacuzzi. Au moins je pourrais pas me noyer. Oh, j'ai un jet dans les orteils. Bon, je vais profiter un peu avec Margot, je vais vous laisser. Bisous. Je vous retrouve très bientôt. Du coup, je lui ai envoyé un message avec ce compte Instagram là que je viens de créer. Il est dehors en ce moment, là je suis cachée dans une chambre, du coup je vais essayer de faire vite pour pas que ça fasse trop suspect. Oui. Oh my god. The second round is gonna be just one word. Something good song. Je vais avoir un cœur pour vous. Si ça doit durer sur 2 semaines, ça va durer sur 2 semaines.
de penser. On va se faire un petit café, on va déjeuner en attendant que les autres se réveillent. En attendant que Alex se réveille. Il n'a pas vu son téléphone hier. Il y a encore une chose qu'il regarde ce matin. Je vais lui envoyer un autre message. Il est bien dormi. Ouais, mais là, il va vraiment crier que c'est tout, tu vois. Il faut pas que ce soit obvious à ce point. Je viens d'avoir une idée. Je sais où est ton chalet. Je vais donner l'adresse. No make-up face. Excuse me. Alex vient de recevoir des messages. C'est écrit quoi? Je sais où. Non mais déjà il dit que ça se passe bien au chalet. Ton pull noir te va très bien. Je sais où est ton chalet, Saint-Faustin-la-Carré. Profite bien du jacuzzi. Saint-Faustin-la-Carré, c'est là où on est? Ouais, c'est là où on est. Ah, c'est les gens quand même, hein. C'est quelqu'un ici qui me parle. J'ai pas plus bien. J'espère de ouf que c'est quelqu'un ici, imagine. C'est super fort. Ah oui, t'avais pas envoyé de message avant? On s'arrête minuit. Ça se passe bien le chalet, ton pull noir te va très bien. Ensuite minuit, ensuite midi 45 ce matin, ensuite 2h54. C'est bizarre quand même. C'est ouf cette histoire. Il y a un réparateur qui est venu pour réparer le jacuzzi. Ça se trouve le réparateur, c'est un psychopathe. Alors l'autre, c'est peut-être un simple, mais c'est un réparateur. Je sais, c'est la boue. Ouais. Ok, oh waouh, c'était chaud. Alex a trouvé les messages et il est vraiment en train de suspecter les gens qui sont ici. Je sais pas pourquoi, mais je crois qu'il me suspecte pas du tout. J'avoue, j'ai un peu dirigé les suspections vers Vincent et Margot, mais il fallait brouiller les pistes. Je vais aller leur parler après pour leur expliquer. Je vais essayer de pas me faire crier. Mais il commence à s'inquiéter un peu, genre. Je vais essayer de le blow mine pour qu'il suspecte vraiment quelqu'un d'extérieur. Ça me fait trop rire. Ok, je suis actuellement dans un bateau. Alex est derrière avec Vincent. Tu viens de parler à Margot et Vincent pour leur dire qu'il est en train de les soupçonner. Et je suis en train de m'enfoncer dans un marécage. Ok, j'ai réussi à me défaire du marécage. Wow! Je vais attendre le soir qu'on se pose autour d'un feu de camp. Et là, je lui ai envoyé un nouveau message. En attendant, je vais laisser un peu psychoter. Bon, maintenant, il va falloir que j'arrive à pagayer, hein, parce que c'est pas tout. Une photo. Oh my god. Je me suis éclipsée pendant qu'on était autour du feu et je l'ai prise discrètement. Du coup, je vais lui envoyer maintenant. Faut pas que je traîne parce que sinon il va comprendre. La photo est trop bien. Parce que la photo est bien. Nouvelle journée au chalet. J'ai mis ma petite robe que j'ai commandée il y a quelques jours. Elle est trop jolie, vermante un peu. Genre. Il fait un petit peu moins beau aujourd'hui, du coup je pense qu'on va rester à l'intérieur pour chiller un peu. Petite séance blé d'Inde, ça ressemble à rien comme ça. C'est du maïs, au Canada on appelle ça du blé d'Inde. Tu mets du beurre demi-sel dessus, c'est incroyable. C'est tellement bon, c'est ma vie genre. Est-ce qu'il y a une suite du coup? C'est toi qui fais un prank. Non, c'est le feu de camp. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas toi? C'est pas toi? La fille de la mère. Non, tu jurais pour le château, c'était pareil. Je regarde dans les yeux que je te jure que j'ai rien fait. Je te le promets, Romain. Putain, mais c'est la photo du feu. C'est super battant. C'est le feu de camp. T'es sûr que c'est le feu de camp? Ben, je pense. C'est le feu de camp, ça. J'en reviens pas. La petite épouse de là-bas, c'est Vincent Margot qui est un prank. C'est sûr, c'est un prank. C'est sûr et certain. Ils vont s'arrêter tout de suite avant que je commence à bader. Faut leur demander. Hein. Faut leur demander, mais ils vont dire non. Imagine, genre, c'est pas un prank. C'est pas tant. C'est qu'ils voudraient nous tuer. C'est une photo du feu de camp. C'est une photo du feu de camp. Ah, my god. Ouais, c'est sur l'investigation. Il en a une photo de temps en temps. Si c'était Margot ou Vincent, t'aurais pensé plus, tu vois. Ouais. T'aurais fait plus de trucs. Bah non, ouais. Il faut juste m'envoyer une photo, genre. What the fuck? La photo a été prise de moi. Quelqu'un qui allait dans la forêt. Tu me promets, c'est pas toi? Je te promets, Romain, que c'est moi. Je te jure. Je te jure que c'est moi. Essaye de prendre le téléphone. Je vais laisser la première compte. Moi, je vais prendre le téléphone. Là. Oh.
Margot nous a fait des tartes aux pommes. Margot, c'est Maïté, genre. Oh, c'est trop nice. Est-ce qu'il y a une fève dedans? Non. C'est pas les frangipanes. Ah, ok. Je sais pas les frangipanes. Un chalet sans Margot, c'est pas un vrai chalet. Ça commence à faire blader parce que je pensais que c'était un prank d'un de vous. Finalement, je viens de me rendre compte que c'est pas ça. Quoi? J'ai reçu des messages hier d'un compte. Ça a commencé d'un coup. Regarde, c'est trop chalet. Je sais où est ton chalet, Saint-Faustin la Carrée. Profite bien dans le jacuzzi. Et ensuite, j'ai reçu ça. Une image de nous autour du feu de camp. Je me suis dit, est-ce que c'est un prank de vous, genre? Non, mais c'est flippant. C'est bizarre, c'est un compte qui n'a pas d'abonnés, genre. C'est peut-être quelqu'un d'entre nous, tu vois. Tu veux me faire une blague? Non, c'est un peu bizarre. C'est vraiment flippant. C'est nous autour du feu de camp. Les arbres, genre. C'est quoi le place? Ah, c'est nous, ça. Ah oui, c'est nous autour du feu de camp. Ça commence à me faire flipper, là. Je pensais que c'était une blague. Parce que quelqu'un est arrivé, que la photo, elle a été prise de là, genre. Je l'ai appris. De là, de jusqu'au feu de camp. Oh non. Je connais la route, genre, qui sait comment il y a des chalets. Le gars m'a envoyé un message, il m'a dit, je sais où ton chalet, il est à Saint-Faustin-la-Carré, le jour où on est arrivé, genre. Le jour où on est arrivé, je savais moi-même, je savais pas comment était à Saint-Faustin-la-Carré. Ça commence à me faire banner, tu vois. J'ai quitté ton pour voir si le compte secondaire est à toi. Mais là, pourquoi tu m'as pas dit là? Parce que je voulais checker, je sais pas, je voulais voir si c'était pas un prank ou quoi. Ça va pas. On t'a pris mon téléphone en secret, genre d'ailleurs. J'ai checké aussi le téléphone de Vincent. Ah non, mais toi, je sais que c'est pas toi. C'est chiant. Ça me tue, arrête de me blâmer. Non, mais je vais répondre, je vais me dire t'es qui, genre, mais c'est quoi cette photo, genre? C'est pas chaud. Je vais dire t'es qui, c'est quoi cette photo? Vas-y, genre, je vais attendre la réponse. Hein. C'est toi qui target, genre, c'est trop horrible. Genre, ça se trouve, il était pas. C'est horrible, c'est Alex qui veut te tuer. Je veux personne, c'est moi qui veux le tuer. Peut-être qu'il va juste te demander un autographe. Hein. Ah, c'est une bonne façon de faire. Hier soir, à un moment, on se pensait dans un film d'horreur. Ah bah super. On entendait un truc, on faisait. Ça se trouve, genre, c'était vraiment le mec qui rôdait autour de vous. Non, vu que la photo a été prise de très loin. De loin et qu'il a zoomé, genre. Il l'a pris au-delà des voitures, genre. Ah, tu penses qu'il était vraiment loin, genre? Bah ouais. Waouh. Je pense pas que ce soit un de nous. Ouais, je sais pas là. Je vous jure que j'ai là vraiment. Moi, je sais pas, moi je te crois. Ouais, j'avoue, je vous ai promis. Moi, je crois plus rien. Je suis envoyé un message, vous avez vu que je suis envoyé un message. T'as envoyé un message, ok. Je vais garder mon téléphone avec vous. Sur un message, je vous dis. C'est les chasseurs qui sont ici, tu vois. Ah, c'est bien, c'est flippant. C'est vraiment un scénario de film d'horreur, ça fait pas des. Bon. Bon, Margot nous fait un petit feu pour détendre l'atmosphère. Un papier qui marque tu dors ici. Trop surveille tes arrières. Je suis là, c'est des trucs comme ça. Ce soir on peut le faire flipper. On est du genre ultra flippette. Ouais, sinon on n'a pas peur, il faut un truc. Ok. Alex a répondu au message. On va ouvrir ensemble. T'es qui? C'est quoi cette photo? Ok. Il va falloir que je regrette. Ok, je vais lui répondre. Je peux venir. Il m'a dit je peux venir. Quelqu'un lui a répondu, je peux venir. J'ai entendu, mais what the fuck? Oh, I'm supposed to come here. Because otherwise, how the fuck should he or she? Yeah, I know where your chalet is. It's in Saint-Faustin, la cave. We didn't even know. I didn't even know. Pourquoi il écrit à moi? Ah, il fait une fixette sur toi, genre. Alarm system here. Il y a des systèmes de surveillance ici. Des systèmes d'alarme. Prends une pagaie pour te défendre. Une double pagaie, comme ça tu fais des arts martiaux super stylés, genre. Oh shit! Tu fais une joke là, je vais genre pas me gueuler longtemps. C'est bien de recevoir le message à l'instant. C'est moi ça, c'est moi. Il est sur la photo, les gars. J'étais là, je me fumais. C'est quel angle? C'est quoi l'angle? Sur la photo, gars. Il me semble avoir vu un flash tout à l'heure. J'étais en train de fumer la clope que j'étais en train de fumer tout à l'heure avant. J'ai vu un flash, gros. Je te jure que j'ai vu un flash, gros. Puis j'ai passé à autre chose et il vient de m'envoyer la photo. Il y a quelqu'un qui nous observe. Ça fait je jure sur la vie de ma merguez que j'ai vu un flash, j'ai regardé. Quand? Et j'étais genre, imagine, c'est le mec qui m'a pris en photo. J'attendais de recevoir un message, j'ai rien reçu, fait que je passais à autre chose. Wow. La porte elle est fermée en bas. Attends. Vous pouvez tenir ça s'il vous plaît, je vais aller voir ça. Est-ce qu'on lui dit? Ouais, on va lui dire. Je vais partir, on va descendre et on va lui dire. Parce que sinon, je pense que ça part en couille. Ok, viens. Viens, dépêche-toi. Ça va trop loin. Il est où? Ils sont descendus? On avait fait des pièces. Je te jure que j'ai vu un flash, c'est-à-dire qu'il y a vraiment quelqu'un qui nous observe. Alex. Alex, tu vas me dire un truc. Qu'est-ce que c'est? On me fait dormir. C'est un flash.
Grand plan. Pourquoi quand j'avais le téléphone pour voir les comptes, il n'y avait pas de compte? Parce qu'on a tous fait attention de supprimer les traces. Bien joué. On a trop dit que c'est à moi et pas à Vincent. Vincent, ce sera son tour après. Imagine, tu fais durer un prank 10 ans. Tu fais croire qu'il y a un mec qui le suit pendant 10 ans. C'est ça, là, on le kidnappe, on le met dans un champ au milieu, on prend un flingue, on lui tire dans les jambes. Genre. Et on va le voir 10 ans après en hôpital psychiatrique, on lui dit ah, mais c'était un prank en fait. Il est blatouché. Il est blatouché dans son ego. Il est blatouché. Ah, c'était génial. Bon, voilà, ce prank est terminé. C'était intense. Hein. Je vais finir ma soirée. On part du chalet demain. Prenez ce verre que l'on ne saurait boire. Et... Je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye. C'est délicieux. J'ai révélé à Alex que Vincent était avec nous. Ah donc vous vous êtes mis tous les trois contre moi. J'ai fait l'erreur de faire confiance à Roman. C'est vrai, ça c'était une grosse erreur. Comme ça, je viens d'apprendre que vous étiez dans le prank, vous aussi, monsieur. Il était grave en stress hein, quand il t'a pris en photo. À partir du moment où t'as regardé, après j'étais comme ça. Je remarquais l'attitude de Roman, elle avait pas assez peur. J'avais un doute. Roman, elle a peur. Avec Vincent, moi je vais me mettre de leur côté quand on se fait un prank.